Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 6 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de la Gironde, quatrième course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce quintet parisien non ouvert aux européennes, après le forfait du candidat d'Ortige, ils ne seront plus que 11 à se présenter au starter. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, tous ne s'élanceront pas au même échelon de départ puisque les 6 moins riches auront une avance initiale de 25 mètres. Une fois encore, il faudra faire confiance aux favoris. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, Doux Parfum. Sur sa classe, sur ce qui sait faire de mieux, ce fils de Singalo entraîné par Guillaume Gillot et piloté par un certain Éric Raffin est largement capable de mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 10, Freeman. Il est compliqué, mais très doué, et lorsqu'il est bien luné, ce fils de Reddy Cash est capable de réaliser de très grandes performances. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Fandango la nuit. Il enchaîne bien depuis plusieurs semaines et comme il reste sur deux victoires autoritaires, dont la dernière obtenue sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, il sera logiquement très en vue chez les parieurs. En quatrième position viendra le numéro 12, Carioca. Présenté par Pierre Lévesque et déféré des quatre pieds, ce honk de 10 ans doit tout simplement remettre les compteurs à zéro aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Ewi Deol. Ce cheval de grande qualité entraîné par Antoine Lhérité est largement capable de terminer à l'une des 5 premières places. Au 6e rang, faisons confiance au numéro 9, Deus Ex Machina. Présenté par un Hervé Sionneau qui l'aime depuis le début de sa carrière, il est lui aussi capable de réaliser une grande performance. En avant-dernier choix, le numéro 6, Fougue du Dollar. Bien née et pilotée par un certain David Thomas, au premier échelon, elle est capable de très bien faire dans ce lot. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, El Paso Blue. Il est piloté pour la circonstance par François Lagadoc et comme Antoine Lhérité l'aime bien, il est largement capable de terminer dans les 5. En cas de non partant, le numéro 4, Douglas Dupont, présenté par un certain Benjamin Goetz, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono poursuit son festival depuis le début du mois de février en indiquant le tiercé de 155 € ainsi que le quarté dans le désordre, celui-ci affichant tout de même un rapport de 1934 €. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP turf-fr.com.